Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Polybridge 3. Donc j'avais fait une première partie, bon j'ai pas spécialement attendu non plus d'avoir des retours. Bon, au moment où je tourne la première vidéo n'a pas fait spécialement beaucoup de vues, mais bon je dis je prends le risque, j'ai un petit peu plus de temps en ce moment pour faire des vidéos, donc je dis je prends quand même le risque de faire une première partie. Au moins ceux qui auront, on va y arriver, aimé, sont contents du coup d'avoir une suite. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout con, on doit faire un pont, tout simplement, pour faire passer un véhicule d'un point A à un point B. Là, cela dit, dans la première partie, le dernier niveau, on avait un avion qui devait passer. Donc il fallait faire le pont plutôt comme ça. Là, du coup, sur ce level-là, ça va plutôt être l'inverse. Donc c'est parti, donc n'hésitez pas franchement à vous manifester si ça vous plaît. Moi, en tout cas, je trouve ça sympa. Voilà, j'y passerai pas des millions d'heures, mais une petite partie de temps en temps, c'est toujours agréable. Donc c'est parti, donc là où on va faire une route un peu comme ça. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal d'outils de... Il y a pas mal d'outils que j'ai pas encore utilisé, je sais même pas comment ça marche. Bon, c'est pas ce que je voulais faire. Ajustement la taille des grilles. Et quoi si je fais ça? Ok. Bon, tant pis, on va la faire... On va la faire à l'ancienne. Ok. Donc dans un premier temps, on va tracer la route. Pour l'instant, on va faire quelque chose de droit. Merde. Ok, nice. Ok, nice. Donc déjà là, au moins on est tranquille, il va pouvoir passer. Maintenant, le défi. Le véritable défi. Parce que je sais pas, soit je fais un truc esthétique, je fais un truc pas esthétique, à ce moment-là je peux faire le truc tout con. Comment est-ce que je peux faire? Parce qu'après voilà, il y a le truc vraiment simple, hein. je fais ça, là je fais un truc typique, comme ça, hop là, mais ça va pas spécialement être beau. Ça l'est même pas du tout. Ça l'est pas du tout. C'est pas du tout la même hauteur. Voilà, mais ça, je suis sûr, c'est peut-être moche. On va le tester hein, maintenant. Mais je suis sûr que ça passe. Voilà. C'était pas très très beau, mais au moins, ben, c'est passé. C'est passé. Ah, j'ai pas regardé la tension. Oula. Donc, du coup. Là, ça va être plus compliqué, parce que j'imagine que le véhicule va prendre de la vitesse. Donc là, l'étoile, pour info, hein, pour du coup, c'est vrai que je crois qu'on n'a pas eu de ça, on n'a pas encore eu tout simplement un checkpoint. Il faut que le véhicule touche l'étoile, donc ça veut dire qu'il faut que je le fasse, du coup, un truc assez bas. Cela dit, je sais pas comment est-ce qu'on va faire, et je pense qu'on va quand même avoir un peu de difficulté sur ce niveau-là. Là pour le coup hein, je le fais un petit peu à la wall again comme on dit. Ouais. Bon c'est pareil hein. C'est pas beau mais bon, là c'est vraiment l'arrache. Mais c'est pas beau mais ça va passer quoi. J'en suis sûr. Là, si je fais un truc comme ça... Ouais, c'est pas beau, mais ça passe. J'en suis sûr. Attendez, on va voir. Ouais, je suis monté... c'est là, hein, je crois. Je suis monté à combien? 90? Ouais, 93, j'ai pas fait gaffe. Ouais, bon. Écoutez, tiens, c'est vrai qu'il y a... Putain, il y a des modèles. Putain, celui-là, il est vraiment super stylé, quoi. Ok... Ah, il y en a pour économiser, du coup, ils ont utilisé vraiment que du bois. Ils ont vraiment utilisé que du bois. Ok, nice. Alors là, on a un budget de 24 000. Ok, donc là, on a deux véhicules. Ok. Ok, ok. Bah, écoutez, c'est parti. Hein, on va y aller comme ça. En tout cas, c'est cool parce que... on aura vu le bateau. On aura vu avec deux supports... Après, je sais pas du tout quel va être le niveau suivant, mais ça reste sympa. Tac.
Ok. Ok. Et puis là, on va partir sur du... Bon, du coup, je vais pas me retrouver avec la même longueur. Attends. Ouais, remarque, je peux faire un truc cul en bois. On est d'accord. Alors, non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. Tac, on va mettre ça comme ça. Nice. De toute façon, j'ai envie de vous dire. Et c'est vrai que là, du coup, on va économiser de la thune. On va pas utiliser l'acier. On va faire un truc en bois. Comment est-ce que je pourrais me démerder? Ça se trouve, même un truc comme ça, ça passe. J'ai un doute quand même. Hein. J'ai un doute. J'ai un doute. Et vous savez quoi? On essaye. Ça va s'écrouler. Et oui, en plus, c'était les deux. C'était les deux en même temps, du coup. Mais c'est passé. C'est passé. Donc là, on a différents modèles. C'est con que je puisse pas... Ah si, on peut cliquer du coup pour voir directement. C'est vrai que j'ai pas essayé directement d'ici. Chargement, allez. Et ouais, du coup, t'as tous les niveaux... Ouais, il y en a qui ont de l'idée, hein. Ouais, c'est pareil, son truc, il est pas spécialement... Celui-là, il est vraiment très joli, hein. Ouais, il y en a qui... Franchement, ils assurent. Il y en a qui assurent. Allez, on passe au niveau suivant. Ok, nice. Donc là déjà, c'est pas la même chose. On a encore un truc différent, ça c'est cool. Du coup on a un fourgon postal, hein, donc un truc de... Ok, donc forcément il est assez lourd. Et là on n'a pas du tout d'acier, c'est que du bois et... Mais bon, voilà, j'ai envie de vous dire, je fais ça et c'est bon. Bah, en plus c'est parfait, ça va être... Ça va être égal. On va essayer de faire un truc esthétique. Alors, il y a la corde. Donc, 400, 220. On est beaucoup plus cher avec l'acier. Mais j'ai envie de vous dire... Ah ouais, on vient de flinguer le... Bon après, voilà. Je peux faire un truc comme ça. Ça va coûter une blinde, mais ça va être plus joli. Je sais pas. Je sais pas trop. Je ne sais pas trop. Tac, on va virer ça. Tac. Euh, 400. On est déjà à 19, donc... Oh, pour être honnête, hein, je pense que même ça, ça suffit. Ouais, je m'en doutais que ça passerait. Je pense que même si j'aurais mis la corde... ça serait passé. Ok, d'accord. Donc là, il nous explique un petit peu le... Un petit peu justement le délire de d'abord mettre... Ouais, en fait, ils veulent qu'on reproduise... ils veulent tout simplement qu'on reproduise... Ok, ouais, alors là, franchement, pour le coup, bon, je vous fais celui-là, dans... je fais celui-ci dans la foulée. Mais non, franchement, là, il n'y a pas spécialement. Là, ils en ont mis quoi, 3. Ok, nice. Nice, nice, nice. Mais alors, après, ils n'ont pas fait continuer. Tout simplement. Tout simplement. Nice, mais même ça, je suis sûr que ça passe. On est à 28 000. Je pense que ça va casser, hein.
On va essayer, elle est pas très je sais pas. On va tester celui-ci. Il se peut que ça casse, hein. Eh non. Finalement, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Et finalement, on n'était pas... Bon, on n'était pas si loin que ça non plus, mais... Attention, Max, on est compté à 60, hein. Je crois que c'est dans la première partie où j'ai dû atteindre les 98 ou 99,8, je crois, si je dis pas de conneries. Donc, c'était chaud. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas... Oh, putain, celui-ci, c'est carrément un tremplin, du coup, pour atterrir... du coup sur celui-là. Enfin bref, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, je pense que je vais m'arrêter là pour ce jeu tout simplement. Donc voilà, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter, et donc moi je vous dis à une prochaine. Allez, ciao, salut, bye bye.